Chemin de sagesse. Frédéric Lenoir, Lily en va. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour Lily. Bienvenue sur ces nouveaux chemins de sagesse que nous allons parcourir ensemble. Et euh, après avoir abordé euh, euh, beaucoup de sujets déjà autour de la, de la sagesse, en particulier la question de l'amour et de la beauté, euh, nous voudrions aujourd'hui savoir comment euh, la sagesse s'articule à la question de la liberté, puisque nous avons vu que évidemment la visée ultime de la sagesse c'est d'atteindre un état d'harmonie euh, et de bonheur, mais cet état d'harmonie et de bonheur ne peut pas s'obtenir. Sans liberté, et ne peut même pas, euh, on ne peut même pas cheminer vers cet état si on n'a pas commencé déjà à se libérer d'un certain nombre de choses. Alors, effectivement, la question de la liberté intérieure est tout à fait euh, au centre même euh, de tout le chemin de la sagesse. Mais avant d'en parler, je crois que c'est important de, de redire un mot de la liberté telle que nous l'entendons en tant que modernes aujourd'hui, à savoir essentiellement la liberté politique. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut être libre, ça veut dire euh, qu'on veut se libérer de toutes les contraintes extérieures, de toutes les, les normes extérieures, de, de toutes les morales collectives. Euh, et donc la liberté des modernes, c'est une liberté de conscience, d'expression, de choisir son métier, sa, sa sexualité, son conjoint. Et donc, euh, on en voit d'ailleurs les conséquences encore très actuelles avec tout le débat qui a eu sur le mariage pour tous, c'est l'aboutissement ultime de cette logique de la liberté de l'individu qui s'émancipe effectivement des normes sociales dominantes pour exercer la liberté de vivre ce qui lui convient, ce qui lui semble être l'exercice de sa nature profonde. Et donc on est effectivement dans une dimension de la liberté politique qui est très importante, parce que historiquement c'est quelque chose d'assez nouveau. Euh, on sait très bien que dans toutes les traditions euh, L'individu était toujours relié euh, au groupe et c'est la différence entre une communauté et une société. C'est que dans la vie communautaire, l'individu doit se fondre d'une certaine manière dans un certain nombre de règles communes, alors que dans euh, une société, c'est un contrat social dans lequel on met d'abord, euh, je dirais, la liberté individuelle entendue dans ce sens-là au centre de tout et après on essaye de vivre les uns avec les autres avec des lois communes. Donc euh, il y a eu un renversement extraordinaire. Euh, à partir de la modernité, où on a mis effectivement l'individu au centre de tout, alors qu'avant c'était la communauté, le groupe qui était au centre de tout. Alors qu'est-ce qui se passe euh, par rapport à cette conception de la liberté dans la sagesse Elle n'est pas née cette dimension de la liberté. C'est-à-dire qu'au fond, euh, il est important, on le retrouve chez les sages, qu'un individu puisse s'exprimer son potentiel, je dirais réaliser aussi sa nature. Euh, on trouve l'idée qu'un individu peut rompre parfois avec sa tradition, avec son groupe, avec euh, euh, sa tribu, euh, sa famille, euh, s'il entend suivre un chemin spirituel qui lui est personnel qui, qui est vraiment le fruit d'un choix. C'est quelque chose qu'on va retrouver chez le Bouddha où il va euh, quitter son palais, son père n'avait aucune envie euh, il voulait qu'il devienne roi, il n'avait aucune envie qu'il qu'il puisse euh, faire autre chose et lui décide de mener un chemin spirituel et donc il va non seulement quitter son palais, il va euh, finalement euh, ne pas suivre l'autorité de son père mais également abandonner sa femme et son fils qui venait de naître. Donc on est devant un choix très radical en disant voilà, j'ai envie de je sens je dois euh, faire ce chemin spirituel et ça m'amène à une rupture euh, familiale. Jésus a des paroles très dures hein, où il dit que celui qui n'est pas capable de quitter son père ou sa mère à cause de moi n'est pas digne de moi. Mmh. Ça veut dire que lorsqu'on fait vraiment un chemin spirituel, on doit pouvoir couper avec les liens tribaux et familiaux qui peuvent étouffer l'individu. Mais c'est entendu par les sages que pour un chemin spirituel. C'est-à-dire qu'au fond, la rupture avec le groupe, la rupture avec la communauté n'est justifiée que Parce que l'individu est appelé à un vrai chemin de recherche de la vérité, euh, c'est pas simplement l'accomplissement ou la recherche d'un désir personnel euh, qui peut être euh, des désirs très divers, professionnels, euh, affectifs, etc. Là, on n'est pas dans ce domaine-là, et on n'est pas dans la rébellion dans le sens négatif du terme, ah oui. et on est oui, on est dans, dans une libération, l'individuation, mmh. c'est-à-dire euh, je sens que je dois mener ce chemin pour me réaliser en profondeur, mais il y a toujours chez les sages cette idée d'une. De réalisation de tout l'être et qui est pas simplement l'accomplissement d'un désir particulier et c'est pas simplement parce que je vais épouser quelqu'un qui est pas de la même caste, je vais rompre. Voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait peut-être être toléré hein, mais mais qui n'est pas au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est vraiment cette liberté politique, cette émancipation de l'individu par rapport au groupe, elle a un sens qui doit être avant tout un sens d'un engagement sur un chemin spirituel personnel. C'est surtout comme ça qu'ils l'entendent. Voilà, donc c'est pas tant politique que justement individuel. Parce mais c'est finalement c'est euh, aussi politique. Euh, il faut se, il, faut, il faut donner à César ce qui est à César, non Il faut se soumettre quand même aux lois de la cité. Oui, mais on peut, on peut finalement, euh, au nom d'un, au nom d'un, d'une valeur supérieure, valeur supérieure euh, se marginaliser par rapport à, on va dire, euh, les usages communs. Euh, et c'est ce qui a valu euh, d'ailleurs à Jésus de mal finir. Euh, c'est ce qui a valu en partie aussi à Socrate de mal finir. Euh, Diogène. Euh, voilà, bon, finir dans un tonneau. Oui, lorsqu'on se marginalise trop mmh. par rapport aux usages, on finit par, par déranger. Bon, mmh. donc le sage peut déranger, c'est ça que je voulais dire, par son activité spirituelle. C'est pas de la provocation. C'est euh, l'exigence de vérité m'amène à créer une rupture par rapport au groupe, mais c'est une exigence de vérité profonde. Et donc ça, ça rejoint, quand même, c'est ça que je voulais dire au début, ça rejoint notre conception euh, d'une liberté politique. Maintenant, je reviens à votre toute première question, il est bien évident que cette dimension-là euh, n'est pas la seule. Et que la liberté, euh, au sens le plus profond du terme, dans les courants de sagesse, c'est la liberté intérieure, c'est-à-dire se libérer de l'esclavage vis-à-vis de nos passions. Et c'est ça qui, effectivement, qu'est la notion de liberté très dominante dans tous les courants de sagesse. Euh, c'est finalement cette idée qu'on ne naît pas libre, on le devient par un travail sur soi et qu'au départ, on n'a aucune liberté, on est soumis à toutes sortes de conditionnements, d'ailleurs, y compris les conditionnements des traditions familiaux, des croyances, mais aussi euh, le conditionnement de nos désirs, de nos pulsions, de nos affects, de nos passions, etc., qui fait qu'on est porté, et là on en revient au fonctionnement de l'ego, l'ego nous pousse naturellement, en fonction de ce qu'on est, euh, à désirer et obtenir telle chose qui nous fait du bien, qui apporte une satisfaction, et à rejeter telle chose euh, qui est pénible, même si au fond, elle peut nous faire du bien à plus long terme. Mais on, on la rejette parce que... Dans l'immédiat, nous fait du mal. D'où l'utilité de l'éducation, de dire aux enfants :« Ben mange de la soupe ou prends ta potion, parce que ça va, c'est nécessaire, même si t'aimes pas ça. » Bon. Donc là, au fond, il y a effectivement euh, cette idée que euh, la liberté s'acquiert. Elle s'acquiert progressivement par un travail sur soi, euh, qui est d'abord un travail de connaissance. Donc là, on en revient à ce qu'on a déjà traité sur la, la connaissance de soi, savoir être lucide. Qui sommes-nous et c'est extrêmement important, cette première question est vraiment capitale, parce que c'est ce qu'on voit très bien avec la Maïotique socratique. C'est faire sauter tous les a priori, les préjugés, les, euh, les, cro les fausses croyances, etc., qu'on a reçues de, de la cité, de l'éducation, de notre milieu. Et donc euh, la première démarche est vraiment une démarche de connaissance de soi à travers un travail d'introspection, de réflexion, de raisonnement. De... Et la philosophie est extrêmement précieuse pour ça. Euh, moi, je m'aperçois que dans ma vie, la philosophie m'a aidé à acquérir un discernement. Et un discernement dessin, que je peux appliquer à moi-même et au monde. Oui, d'ailleurs, euh, vous avez cité plusieurs fois euh, euh, Socrate. C'est vrai que c'est un, un modèle pour, pour cette, euh, cette idée que le sage est celui qui, qui est en conquête perpétuelle de sa liberté intérieure, sa liberté de penser, en réalité de philosopher. Et en effet, euh, comme vous l'avez signalé, euh, il explique bien dans, dans l'Apologie de Socrate qu'il peut bien être condamné à mort par la cité, mais jamais... Pour sauver sa vie, il n'acceptera de cesser et de philosopher et d'inviter les autres à s'interroger sur eux-mêmes. Mais pourquoi euh, Peut-être parce que justement, euh, Socrate fonde sa pensée sur le fait que la situation ontologique primordiale de l'homme est une situation d'emprisonnement. Et cet emprisonnement est évidemment très bien exprimé dans l'allégorie de la caverne que je vous propose de lire évidemment pas en entier, parce que c'est un très long passage au cœur de la République de Platon, mais je voudrais avoir votre avis là-dessus, sur, sur cette allégorie, et en quoi elle nous dit que notre situation ontologique n'est pas une situation de liberté, que c'est quelque chose que l'on doit acquérir, voire conquérir, éventuellement avec l'aide du philosophe. Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les empêchant de tourner la tête. La lumière leur vient d'un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière eux. Entre le feu et les prisonniers passe une route élevée. Imagine que le long de cette route est construit un petit mur pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dressent devant eux, et au-dessus desquels ils font voir leurs merveilles considère maintenant ce qui leur arrivera naturellement si on les délivre de leurs chaînes et qu'on les guérisse de leur ignorance qu'on détache l'un de ces prisonniers qu'on le force à se dresser immédiatement à tourner le cou à marcher à lever les yeux vers la lumière en faisant tous ces mouvements il souffrira et l'éblouissement l'empêchera de distinguer ces objets dont tout à l'heure il voyait les ombres que crois-tu donc qu'il répondra si Quelqu'un vient lui dire qu'il n'a vu jusqu'alors que de vains fantômes, mais qu'à présent, plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste. Alors, cette idée euh, platonique, typiquement platonicienne, effectivement, de, euh, de ce, ce réel que l'on ne voit pas, parce que on est dans une situation ontologique d'ignorance euh, qui montre que l'ignorance est la cause de tous les maux. Euh... Et on est enchaîné par, par cette ignorance. Euh, et et, et là-dessus, je trouve que ça rejoint de manière extraordinaire l'Orient. Ça me frappe, d'ailleurs, il y a des influences orientales claires. Hein, chez, chez Platon, est il a été influencé par l'Inde. Euh, et là, vraiment, on retrouve typiquement euh, le constat que fait l'Orient, que ce soit l'Inde, le bouddhisme, enfin surtout l'Inde, mais à travers ces différentes formes d'hindouisme et de bouddhisme, c'est que l'homme est dans une illusion. C'est-à-dire que l'ego crée une illusion. Euh, et cette illusion, alors évidemment là c'est analysé, analysé de manière psychologique euh, et que au fond, la plus grande illusion qu'on a, c'est sur nous-mêmes. Euh, même si le réel peut être comme voilé et on peut le regarder à travers un prisme déformant et à travers nos chaînes, euh, c'est d'abord sur nous-mêmes que porte l'illusion, on se pense un individu distinct euh, avec une personnalité propre qui euh, est face au monde. Et ce que nous dit l'Orient et l'Inde, c'est qu'au fond, ce point de vue-là est déjà faussé. Euh, comme on est justement enchaîné par un voile, la Maya, qui est le, le voile de l'illusion, euh, il faut se libérer euh, de ces chaînes de l'illusion pour arriver à comprendre qu'au fond, on n'est qu'une partie d'un tout et que notre individualité est une illusion. C'est l'ego qui, parce qu'il a besoin de se, de se nourrir, de se fortifier, nous fait nous identifier à lui. Alors qu'en fait, si on peut aller par la méditation, la sagesse, la philosophie, au plus profond de soi, on va découvrir qu'il y a une part divine qui s'appelle l'esprit, qui, elle, participe au tout. Et, et, et qui n'est pas euh, identifiable à l'ego, euh, qui est beaucoup plus large, c'est la part radicale de nous qu'on peut appeler le soi, et c'est cette part-là euh, qu'il faut réaliser. Il faut réaliser le soi pour quitter le petit moi euh, et ne plus s'identifier à notre moi, euh, qui est le fonctionnement psychologique quotidien, ordinaire. Euh, donc là, je trouve qu'il y a une symétrie très étrange et, et très forte entre la philosophie platonicienne et la philosophie orientale, avec, je dirais, un intérêt... Particulière pour l'Orient, pour comprendre comment cette illusion s'applique à l'homme. Euh, et que donc, euh, il va donc plus loin que, que Platon dans ce sens-là, puisque y a, y a, chez Platon, il n'y a pas non plus cette notion d'illusion de la personnalité, euh, pour montrer que euh, nous-mêmes, la perception que nous avons de nous-mêmes en tant qu'individu séparé, a une part profondément illusoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de singularité, mais notre singularité vient plus de notre esprit que de notre ego Et là, on rejoint tous les mystiques. Euh, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, qui nous montrent dans la profondeur de la vie mystique qu'au fond, on a tous une singularité qui est le lien particulier que nous avons à Dieu, mais que après notre personnalité, notre, euh, notre moi psychologique, euh, au fond, euh, il ne faut pas s'identifier. C'est que le conditionnement de notre vie terrestre à travers une hérédité, etc., et que ce n'est pas là que se joue la profondeur de la personne. Oui, et c'est presque en fait une sorte d'interface entre notre réalité profonde et, 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 et le monde extérieur. Mais je voudrais revenir sur la notion que vous avez dit précisément qu'en Orient, euh, ce, qui, ce qui importe, c'est cette libération, se libérer du voile de l'illusion. Ce qui est intéressant chez Platon aussi, c'est que l'idée, c'est que la prison, c'est la prison de l'illusion, de ce qu'on croit être et qui n'est pas. Et donc, c'est vraiment une sorte de... à la fois l'illusion est cognitive et à la fois la liberté est liée en fait à notre degré de cognition à la connaissance voilà ça n'a rien à voir en fait avec la li... en Orient ce n'est rien ça n'a rien à voir avec la liberté politique c'est vraiment la liberté intérieure dont il est question quand tout on parle de liberté tout à fait et c'est cette liberté là qui s'acquiert c'est-à-dire que plus on on se connaît soi-même plus on arrive à prendre conscience de cette illusion de l'ego et, et des tous les modes de fonctionnement de l'ego qui nous attachent puisque euh, c'est se libérer des chaînes de toutes nos passions. Et donc finalement, c'est à la fois être libre, c'est à la fois connaître la vérité de soi, c'est-à-dire ne pas être dans cette illusion de l'ego, et en même temps, c'est se libérer des mécanismes de l'ego qui nous enferme dans des fonctionnements on dirait aujourd'hui compulsifs, névrotiques, etc. Qui, qui fait que la psychanalyse d'ailleurs dans son analyse rejoint complètement cette vision-là dans laquelle tant qu'on n'est pas conscient de soi, tant qu'on n'a pas un peu mis à jour son, son inconscient, euh, on n'est pas libre. On, on est pris dans des, des mécanismes de répétition, on est pris dans des causalités inconscientes qui fait que on va sans arrêt reproduire les mêmes choses, rechercher le même type de personnes, etc. Donc là, je crois que la, les sages de l'Antiquité éclairent très très bien cette question de la liberté. Intérieure euh, qui s'acquiert d'abord par la connaissance profonde de soi, de nos mécanismes intérieurs, de nos attachements, de nos pulsions. Après, euh, elle se conquiert pas que par la connaissance. La connaissance est le préalable à des exercices spirituels qui vont nous permettre, par des actes aussi de volonté, donc il y a la, y a la connaissance et il y a la volonté de devenir effectivement libre. Donc il y a la connaissance euh, pour ne pas être dans l'illusion, il y a la connaissance pour connaître. Notre, notre être dans toute sa diversité euh, psychophysiologique, et puis il y a euh, les exercices spirituels qui nous permettent de nous dominer, de nous maîtriser et de devenir vertueux. C'est ça qu'on retrouve dans toute la Grèce, par exemple, c'est le, le, le sage devient libre par la vertu. Euh, qui lui permet de ne pas tomber dans les excès euh, et donc d'être dans une voie de juste mesure, y compris dans les plaisirs, pour euh, Épicure, puisque les plaisirs sont bons. Euh, il s'agit simplement d'être dans une mesure, c'est-à-dire dans une maîtrise. C'est l'esprit qui gouverne le corps et pas l'inverse. Voilà un peu l'idée fondamentale. Oui, parce que si c'est le corps qui gouverne, justement, c'est de l'anti-liberté, tandis que si c'est l'esprit qui gouverne, c'est au contraire le lieu où se joue la liberté. Parce que l'esprit, c'est comme le cocher, alors que le corps et la psyché, ce sont les chevaux. Et donc ils peuvent s'emballer et nous amener n'importe où, alors qu'on doit avoir une conscience de qui on est, de où on veut aller. Et ça, c'est la maîtrise de l'esprit. Donc il faut que ce soit le cocher qui gouverne l'attelage et pas les chevaux. Vous nous avez dit, Frédéric Lenoir, que euh, c'est le cocher qui doit dominer ce char mené par deux euh, chevaux, métaphore empruntée aussi à, à Platon, donc le, che, le cheval du corps et, et de la psyché. Euh, c'est un peu plus complexe chez Platon, mais c'est à peu près ça euh, qui, qui en ressort. Donc, euh, évidemment, c'est ce cocher-là qui doit euh, maîtriser euh, nos actions, nos pensées et notre euh, relation avec le monde. Ça veut dire qu'en réalité, c'est le cocher qui dirige, et c'est le cocher, donc le moi conscient, en termes euh, psychologiques, ou en tout cas la conscience, en termes plus euh, spirituels, qui, euh, qui peut exercer la volonté. Euh, oui, c'est-à-dire que si la, la volonté... La liberté. Oui, pardon. Pardon. absolument. C'est-à-dire qu'il y a deux types. La, la volonté peut être soit soumise aux passions. Soit libre des passions. Et Spinoza nous explique que tout le chemin philosophique, c'est de libérer finalement la volonté des passions. Euh, c'est pour ça qu'il ne croit pas du tout au libre arbitre. Euh, parce qu'au fond, au départ, nous sommes tous complètement conditionnés. Notre volonté, Nous n'agissons jamais de manière libre. Euh, nous, notre volonté est complètement contrainte par nos désirs. Notre volonté est contrainte par nos passions, par nos affects. Et il a totalement raison. Sauf que le sage est celui qui va réussir à sortir euh, de, de cet esclavage. Par la raison, par la conscience, par l'exercice de la philosophie, il va pouvoir, du coup, euh, avoir une, un travail sur ses propres passions, sur ses propres pulsions, pour pouvoir euh, accéder à cette joie profonde qui est en lui, à cette liberté euh, intérieure euh, qui le met dans le bonheur, dans la joie, dans l'amour, et qui fait que euh, sa vie n'est plus mue simplement par ses affects. Euh, donc, on est devant, effectivement, cette idée fondamentale dans tous les grands courants de sagesse que l'esclavage le plus profond, le plus radical, le plus pénible pour l'homme, c'est d'être esclave de lui-même. Ce qui est évidemment une idée pas moderne du tout, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous apparaît le plus horrible, c'est d'être esclave de quelqu'un quelqu d'autre. Mais, mais un sage vous dira, mieux vaut être esclave de quelqu'un d'autre et libre intérieurement que d'être libre extérieurement et être esclave de soi-même. Et parce que le sage, même s'il est en prison, il peut continuer de méditer, de réfléchir, d'être lui-même et donc d'être en paix alors que euh, on peut avoir toute la liberté du monde de faire ce qu'on veut et être totalement tourmenté parce qu'on n'est pas libre intérieurement on voit tout le temps des, des, ça, 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 dans l'actualité des exemples de ça. C'est-à-dire que, euh, prendre un exemple qu'on a tous en tête assez récent, euh, de voir un homme politique très important euh, qui va exercer de très importantes responsabilités, euh, qui a l'argent, le pouvoir, les femmes, il a tout. Et parce qu'il n'est pas libre intérieurement et qu'il euh, se laisse porter par une pulsion euh, euh, immédiate... Il est esclave de et, ses passions. Et qu'il est esclave de ses passions, il détruit toute sa vie. Donc c'est quand même un exemple fort, moderne, mais de ce que nous disent les sages, c'est que à quoi ça sert d'être maître du monde si on n'est pas maître de soi? Alors, il y a aussi en même temps une, une subtilité, presque une forme de contradiction, mais féconde dans cette euh, notion de la liberté en relation avec la sagesse, c'est que. Vous venez de nous dire euh, la liberté, ça s'exerce, ça s'apprend, ça s'acquiert, et c'est par une, un effort de volonté qu'on peut euh, donc maîtriser ses passions, donc se libérer de soi-même en quelque sorte. Mais l'autre, mais ça, ça ne concerne que ce qui dépend de nous. Il y a un autre volet dans lequel s'exerce la liberté, qui est au contraire ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire apprendre à euh, ne pas être affecté par ce qui ne dépend pas de nous. Et là, c'est une autre façon, peut-être plus subtile, peut-être moins connue, d'exercer sa liberté. Ce fameux lâcher-prise est en lien avec la, la liberté intérieure. Vous avez tout à fait raison, c'est un point euh, très important de la liberté dont on parle peu. C'est au fond la différence entre accepter et subir le réel. On peut, lorsqu'on a un réel déplaisant, désagréable, voire douloureux, euh, on a tous la liberté. Euh, au fond, on va tous, d'une certaine manière, le, 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 le subir, mais on a les libertés de l'accepter, ce qui est très différent. Et donc, celui qui subit, c'est celui qui là, bah, il dit, je peux rien faire, mais ça me pèse, mais euh, et donc il va être dans un état euh, intérieur euh, de ressentiment, de tristesse, de colère, de révolte, euh, d'accablement, de fatalisme, etc. Et puis, on peut. Librement accepter, dire non, finalement, ça ne me plaît pas, mais je l'accepte et du coup. Je, je, je tente d'y mettre du sens et d'en faire quelque chose de positif. Et donc, c'est le regard que nous avons sur l'événement, sur le réel, qui le transforme. Et du coup, ça crée une réaction tout à fait différente. Euh, Lorsqu'on est malade et qu'on accepte le fait d'être malade, euh, de se dire, ben bah voilà, je ne vais pas pouvoir travailler pendant une semaine, ça fout en l'air tous mes projets, machin, truc. Euh, quelque part, on peut en faire quelque chose euh, qui n'est pas simplement euh, négatif. On peut réussir à se reposer, à voir le positif qu'il y a derrière la maladie parce que bien souvent, le corps tombe malade parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Euh, vous savez qu'on dit qu'on est en crise, qu'il y a une crise, que ce soit une crise sociétale ou une crise personnelle. Le mot crise en grec, euh, ça veut dire nécessité de choisir. Ça ne peut plus durer. Il faut faire un choix. Bien souvent, je pense que quand une société ou qu'un individu est en crise, c'est qu'il y a des choix à faire. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut pas continuer comme ça, telle relation qui ne fonctionne pas, tel métier qui ne nous convient pas, telle euh, vie sociale qui n'est pas juste. Euh, et donc là-dessus, il se produit une crise, c'est-à-dire une difficulté majeure, euh, une épreuve qui nous oblige à faire un choix, et donc à opérer un discernement. Et en cela, toutes les crises euh, peuvent être des occasions qui nous sont donnés par la vie de progresser, de grandir, de prendre conscience de quelque chose. Et donc la liberté, une des libertés, un des exercices de la liberté les plus importants, euh, c'est d'accepter la crise euh, comme un lieu de croissance et non pas comme un lieu de diminution ou un obstacle qui nous écrase. C'est pourquoi le, je crois qu'effectivement euh, on exerce de manière très profonde notre liberté lorsqu'on ne subit pas l'épreuve mais qu'on l'accepte, en lui donnant du sens, c'est-à-dire pas simplement l'accepter pour la subir. Oui, et c'est le fameux, le fameux ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, des les stoïciens, oui. des stoïciens dans, dans ce manuel, dans ce ma vraiment ce texte de référence qui est qui nous a que nous avons tous lu en, en terminale, je pense, en cours de philosophie. En tout cas, moi, quand j'avais lu ce texte, je me souviens euh, avec mon professeur de philosophie, j'avais été absolument enivré par sa profondeur. Et par son actualité, vous avez raison, ce qui est très touchant avec ces... Tant qu'on parle des textes qui sont essentiels à lire et faciles à lire, on peut en dire, il y en a 4-5 au fond. Oui. Dans, dans les textes antiques, euh, vous avez raison, il y a le manuel d'Épictète, il y a les pensées de Marc Aurèle, il y a l'éthique à Nicomac d'Aristote, il y a la lettre à Ménécée d'Épicure. Voilà, voilà des textes qui sont courts, faciles, modernes, qu'on peut tous s'approprier et qu'il faudrait qu'ils coûtent rien. On peut trouver des éditions à 2 ou 3 euros. Et donc, c'est des textes qu'on qu doit tous lire et relire. Oui, absolument. D'ailleurs, je vais vous, vous en lire un extrait si vous le voulez bien, euh, pour le plaisir de réentendre Épictète au-delà de tout le temps qui nous sépare de lui. Des choses, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions. En un mot, tout ce qui est opération de notre âme. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est le corps, la fortune, les témoignages de considération, les charges publiques en un mot, tout ce qui n'est pas opération de notre âme. Ce qui dépend de nous est, de sa nature, libre, sans empêchement, sans contrariété. Ce qui ne dépend pas de nous est inconsistant, esclave, sujet à empêchement, étranger. Souviens-toi donc que si tu regardes comme libre ce qui de sa nature est esclave, et comme étant à toi ce qui est à autrui, tu seras contrarié, tu seras dans le deuil, tu seras troublé, tu t'en prendras, et aux dieux et aux hommes. Mais si tu ne regardes comme étant à toi que ce qui est vraiment à toi, et si tu regardes comme étant à autrui ce qui est en effet à autrui, personne ne te contraindra jamais, personne ne t'empêchera, tu ne t'en prendras à personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras absolument rien contre ton gré, et personne ne te nuira. Tu n'auras pas d'ennemi, car tu ne souffriras rien de nuisible. Ah oui, c'est un texte qui résume tout, effectivement, ce qu'on vient de dire. Mais c'est important, et... cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas oui. de nous. C'est une base. Et effectivement, je crois que sur ce qui dépend de nous, on le voit, on, on peut travailler sur nous. L'homme est perfectible. Et donc, c'est sa responsabilité de faire évoluer ce qui peut faire évoluer. Par exemple, un homme colérique peut faire un travail sur lui pour ne pas laisser exploser ses colères n'importe quand, n'importe comment. Voilà, voilà ce qui dépend de nous. Par contre, d'avoir un physique disgracieux, de perdre, d'avoir un échec professionnel, des fois, ça dépend pas de nous. Il y a des circonstances extérieures. Et là-dessus, euh, la liberté, c'est effectivement d'accepter la situation comme elle est. Donc, on voit très bien à travers ce texte les deux formes de liberté dont, dont on parlait euh, la liberté de, 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 de se libérer euh, de ce qui peut entraver finalement euh, l'expression de l'amour, de la joie, de la sagesse qui est en nous, et puis la liberté d'accepter le réel tel qu'il est lorsqu'on ne peut pas le changer. Quand, quand on parle de liberté, j'aimerais aussi qu'on qu aborde une question qui est celle de l'enseignement puisque Épictète, ici, nous donne un enseignement. Tout, on, avait, on a vu dans, dans l'allégorie de la caverne que Socrate aussi dit ⁇ Il faut que quelqu'un vous arrache à vos chaînes ⁇ Alors, est-ce qu'on peut exercer cette liberté Est-ce qu'on peut devenir libre tout seul Ou est-ce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous y aide, qui nous enseigne, qui nous dirige Je ne dis pas forcément un maître, je veux dire par là quelqu'un qui est fait le chemin et qui nous le montre. Alors évidemment, ça peut être précieux de rencontrer même des maîtres, hein, des, des gens qui ont fait le chemin et qui nous le montrent, et qui nous montrent finalement les modalités d'une expérience. Ils ne vont, vont pas faire l'expérience à notre place. Euh, donc là-dessus, il faut pas se leurrer. Le maître peut être aussi une illusion. C'est-à-dire que j'ai vu trop de gens, moi, qui, parce qu'ils ont rencontré un maître spirituel, ont senti qu'ils sont dans l'adoration de ce maître ou la vénération de ce maître, et d'une certaine manière, euh, ils ne font pas le travail intérieur. La relation avec le maître les, euh, comble leur imaginaire. Et c'est pour ça que ça peut être un piège aussi le, le maître. Oui, et puis on remet on s'en remet aux on décisions remet du maître aux décisions et du, du maître, coup, on, on, et on reste plus infantile, libre. exactement. Oui, oui. C'est pourquoi je trouve qu'il faut aussi savoir se passer de maître, ou en tout cas, si on a un maître, euh, euh, savoir euh, que l'essentiel c'est nous qui allons le faire. Le sentier du travail c'est nous qui allons le faire. Le maître est là pour nous nous donner des conseils, pour nous montrer où est-ce qu'on est dans l'illusion, pour euh, nous éviter de tomber dans des extrêmes, pour lorsqu'il y a des pertes de doute ou de confusion nous réconforter. Donc il peut avoir effectivement un, un aspect euh, utile, mais euh, tous les philosophes ou les sages n'ont pas forcément eu des maîtres. Et donc là-dessus il y a aussi si une je dirais une, une capacité c'est le cas du bouddha par exemple il ne parle jamais de maître c'est un travail qu'il a fait par lui-même et il a même eu des faux maîtres c'est des ascètes qui l'entraînaient à faire des choses extrêmes qui n'étaient pas justes ouais. donc on peut dire que euh, au fond le vrai maître il est intérieur c'est l'intuition c'est cette capacité que qu'on a à écouter euh, ce qui nous parle notre esprit notre intuition qui nous guide euh, et puis c'est les maîtres morts moi, j'ai eu beaucoup de maîtres morts. J'ai écrit un livre qui s'appelle Socrate, Jésus, Bouddha. Je peux dire que c'est les trois maîtres. Euh, qui m'ont le plus aidé dans ma vie intellectuelle et spirituelle. Euh, oui, alors je, je n'aime pas le mot mort. Ici, il n'y a pas plus vivant qu'un maître qui nous nourrit. Bien euh... sûr, mais je ne les ai pas rencontrés de chair et d'os. Mm -hmm. J'ai rencontré leur esprit. Vous les avez rencontrés en esprit. En oui. esprit. Et leur esprit m'a parlé, m'a guidé. Leur message, leur témoignage m'a bouleversé, m'a ému. Et la cohérence de leurs paroles, de leurs actes a été pour moi, euh, m'a rassuré. Donc euh, on, on peut tous, par des lectures, Rencontrer des guides, on va dire, plutôt que des maîtres, euh, ce que j'aime pas trop l'idée de maître. Euh, oui, bon, bien sûr, c'est pour ça que de... je parlais de guides. Voilà, plutôt de guides, des guides, euh, je dirais, de chair et d'os ou, ou juste d'esprit, euh, qui peuvent effectivement nous, nous permettre. Euh, de d'éviter certains pièges, de découvrir des choses en nous, mais ça peut être aussi des rencontres beaucoup plus ponctuelles euh, qui se font de manière un peu thérapeutique. Je dirais que on est dans un monde où on est quand même très fragile psychologiquement. On a beaucoup de vulnérabilité, de fragilité, de névrose. Euh, Moi-même, euh, je suis passé par plusieurs années de thérapie et les psys qui, avec qui j'ai travaillé m'ont aidé. C'est-à-dire c'était un miroir, c'était un, un regard extérieur qui m'a aidé à avancer. Et puis même sans aller jusque-là jusqu'à faire un travail thérapeutique, euh, nos proches sont aussi des guides. Euh, vous avez des, des, des enfants, les Lyanvar, euh, je pense que de temps en temps, ils vous enseignent quelque chose par leurs réactions, par leurs remarques, par tous, un, les jours. tous les jours. Voilà. <laughs> et donc finalement, vous voyez, euh, on trouve partout des guides, on trouve partout dans la vie, dans les rencontres, dans le quotidien, etc., euh, d'autres personnes qui nous aident à progresser sur le chemin, quelle que soit la voie, et c'est pas forcément par des sages conseils spirituels. Oui, et en même temps, c'est vrai que bah, on est aussi. Alors là, vous avez parlé des leçons que l'on reçoit d'autrui. Parfois, on est aussi mis en, en situation d'éducateur. Et il me semble que cette question de la liberté est très importante. C'est-à-dire qu'il faut jamais oublier, quand on est éducateur, quel que soit le domaine dans lequel on éduque, que ce soit justement aussi le psy, ou le, ou le professeur, ou le sage, ou l'écrivain, enfin bref, tous ceux qui sont en position d'apporter quelque chose, une nourriture de sagesse. Euh, à, à, à d'autres ne, ne doivent jamais le faire euh, en oubliant que ce, l'enjeu c'est d'amener l'autre à la liberté vous avez parlé des enfants qui peuvent nous éduquer mais nous aussi quand nous éduquons nos enfants je crois qu'il faut jamais oublier que éduquer c'est apprendre la liberté mmh, tout à fait et que je ne saurais mieux dire <laughs> non mais parce que je, je voulais vous dire ça parce que c'est vrai qu'il y a une ambiance un peu générale dans laquelle on est où on pense que le savoir ça doit voilà, descendre et puis euh, du coup, ça nous, ça, nous, euh, ça nous coupe de la liberté. Euh, C'est-à-dire, même les jeunes, les enfants, très souvent, ils, ils refusent l'éducation parce qu'ils ont l'impression que c'est une entrave à leur liberté. Euh, comment résoudre cette difficulté non, non, mais Bien sûr, c'est effectivement à part par l'expérience. Euh, c'est effectivement l'expérience qui nous montre que des contraintes nous aident à grandir. Mais ça, un enfant, il ne le comprend pas facilement. Il peut le comprendre par certaines choses, il peut le comprendre par le sport par exemple. Un enfant va comprendre que s'il n'y a pas un entraînement, un travail, s'il n'y a pas des règles, des contraintes, des limites, un arbitre, on ne peut pas faire du sport de manière agréable. C'est ingérable. Donc il y a des exemples par le jeu, par le sport, qui permettent de, de, de montrer ces situations où c'est finalement la contrainte qui nous aide à aller plus loin dans la liberté. Oui, où ou la et, règle. Dans, et dans le plaisir d'ailleurs. Et dans le plaisir, et, et oui, la règle, la limite, euh, alors que l'enfant, il est porté vers effectivement une sorte d'expansion infinie de son désir. Euh, et là, il y a eu certainement... Euh, autour de mai 68, etc., un excès où on est passé d'un extrême euh, d'une morale bourgeoise beaucoup trop rigide à l'idée le, le, que l'enfant est roi, qu'il faut qu'il puisse vivre tous ses désirs, que et que l'individu doit s'émanciper, se libérer de toutes les règles et les contraintes. Alors, il bon, faut jouir sans entraves entrave. bon, Tout ça, on est passé d'un extrême à l'autre. Et au fond, on redécouvre aujourd'hui tous les, 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 les psys aujourd'hui, Aldo Harry, etc., et tout montre l'importance de la loi, de la contrainte, de la limite pour le bonheur même de l'enfant, euh, c'est-à-dire pour lui permettre de développer sa liberté et, et, et d'apprendre à, à se maîtriser et, et finalement être plus lui-même et ne pas être simplement soumis à ses pulsions. Oui, donc la liberté, c'est un, du... en fait. un, un exercice en fait. C'est un exercice permanent. C'est un exercice permanent que, que, que l'on fait tous les jours à travers ces deux formes hein, de, de travail sur soi et d'acceptation de ce qui est. Euh, donc je crois que c'est un des fruits profonds. C'est à la fois ce qui permet d'accéder à la sagesse et c'en est un des fruits profonds. C'est-à-dire que ça s'entretient mutuellement. Plus on est sage, plus on est libre. Mais pour commencer à être sage, il faut, faut déjà apprendre cet exercice de la liberté. Et finalement, dans tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant sur la sagesse, on est arrivé à la conclusion que euh, le but et le chemin ne font qu'un. En amour, c'est pareil. En, en connaissance de soi, c'est pareil. À chaque fois, en réalité... On s'approche d'autant plus du but qu'on sait exercer à ce que l'on cherche à atteindre. Exactement. Et je crois que le, les chemins de la sagesse, quels qu'ils soient, euh, ne sont jamais finis, ne sont jamais euh, achevés. On marche toujours. Quelqu'un qui dit, qui dirait, je suis arrivé euh, au terme, je suis sage, faudrait s'en méfier. Euh, je pense que c'est quelque chose qui ne cesse d'avancer avec la vie, et c'est une chose importante euh, à avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir atteint euh, l'amour euh, universel, la liberté intérieure totale, le, le, le bonheur profond. Euh, c'est quelque chose qui se fait par paliers. Et donc au fond, moi je vois dans ma propre vie, ça fait 30 ans que je suis sur un chemin où je suis vraiment engagé dans, dans cette voie-là, avec des hauts, des bas, des... mais je vois que je franchis des paliers. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, qui me rendaient fou il y a, il y a 20 ans qui aujourd'hui me laissent complètement indifférent. Euh, il y a des choses que j'ai bien mieux compris aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et donc on franchit en permanence des paliers. Et donc la libération de l'ego, c'est un long travail progressif qui se fait par paliers, qui fait qu'on est de plus en plus heureux. Chemin de sagesse, Frédéric Lenoir, Lélie Anvar. Vous nous avez dit, Frédéric Lenoir, que c'est par palier qu'on devient euh, plus libre, plus heureux, euh, plus connaissant aussi. Et ce qui, ce qui me frappe en réalité dans ces trois éléments, c'est qu'ils sont liés euh, finalement à notre être. Est-ce que on pourrait dire que la sagesse c'est de précisément comprendre que l'être est infiniment plus important que l'avoir? Donc l'intériorité infiniment plus importante que ce dont on parlait euh, il n'y a pas si longtemps, c'est à-dire la, la question de, de tout ce qui ne dépend pas de nous et qui est extérieur à nous. Ah bah, c'est le fondement même euh, de la sagesse, c'est effectivement de dire que l'intériorité est plus importante que l'extériorité, que le spirituel est plus important que le matériel, et que le bonheur profond euh, dépend du spirituel et pas du matériel, dépend de l'esprit et pas du corps, dépend de, de la liberté et pas des, de l'acquisition des biens matériels. Donc c'est ce retournement-là qu'ont opéré, qu opéré les sages par rapport à la nature spontanée de l'être humain qui est de considérer parce que c'est exactement comme les enfants ce qui au départ nous satisfait le plus c'est les objets c'est les choses extérieures c'est l'agréable et le désagréable qui ressenti par nos cinq sens et donc au fond euh, les sages ont observé que si on vit simplement dans la loi de l'extériorité de l'agréable et du désagréable, eh ben, il y aura toujours des choses qui seront désagréables, qu qui, qui nous rendront malheureux. Il y aura toujours des désirs insatisfaits. On est soumis à la tyrannie du désir permanent. Et puis il n'y a pas que le désir lié à nos besoins, il y a aussi le désir mimétique. Euh, le désir mimétique, ça veut dire euh, ⁇ je ne désire pas quelque chose parce que j'en ai vraiment envie, mais parce que l'autre le possède ⁇ c'est extraordinaire, c'est infini parce qu'il y a toujours quelqu'un qui possédera quelque chose que je ne possède pas et l'être humain est ainsi fait qu'il a envie de posséder ce que les autres possèdent. On le voit très bien chez les enfants, euh, ils peuvent se contenter d'un de, 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 jouet qui... mais s'il y a un autre jouet qu'un autre enfant qu'ils n'ont jamais eu c'est celui-là qui les intéresse le plus et après ils vont se battre pour avoir tous le même jouet, le même jouet parce qu'il y en a un qui l'a désiré Et une mais fois qu'ils l'ont obtenu ça ne les intéresse, ça les intéresse. plus Mais aujourd'hui les milliardaires qui gouvernent le monde sont exactement dans le désir mimétique ils veulent les mêmes yachts les mêmes jets, les mêmes villas somptueuse qui servent à rien, de 72 chambres. Donc, on s'aperçoit que euh, le désir mimétique euh, c'est quelque chose qui est terrible, parce que c'est sans fin, c'est infini. Déjà, nos propres désirs sont assez infinis, mais les désirs mimétiques, c'est encore plus, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui possédera quelque chose que j'ai n'ai pas. Euh, et donc, là-dessus... C'est une spirale sans, sans fin. fin. Et qui est source de d'insatisfaction permanente. Donc, ce que nous disent les, les sages, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir de la logique de l'avoir. C'est-à-dire faut comprendre que ce n'est pas dans le fait de posséder... Toujours plus de choses, d'objets ou de personnes, parce que ça peut être les gens. Il y a des gens qui considèrent que les autres leur appartiennent. Ma femme, mes enfants. Euh, C'est de pas être dans cette possession euh, des, des, des choses ou des êtres, euh, mais euh, pour euh, accéder à un, un bonheur durable, à une paix, à une harmonie, à une sérénité profonde, il faut euh, quitter cette loi du désir euh, et de l'insatisfaction permanente pour entrer dans une autre dimension qui est la qualité d'être. Et donc, on n'est plus dans le toujours plus, mais dans le mieux-être. Et ce mieux-être, c'est tout ce qu'on explique depuis euh, plusieurs heures, à, à savoir effectivement cette liberté intérieure, cette joie profonde qui est en nous, euh, qu'il faut laisser émerger de plus en plus. Et d'ailleurs, petite parenthèse importante, euh, Spinoza dit quelque chose qui est très très juste. C'est que pourquoi on chemine dans la sagesse On recherche pas la joie. Si on se disait tiens euh, le le, le, le fait de faire de la philosophie, de faire des exercices spirituels va me mettre dans la joie un jour, on le fera jamais. On chemine dans la sagesse parce qu'on a déjà expérimenté la joie. Et on se rend compte que cette joie qu'on a expérimentée ponctuellement, partiellement, s'en va. Et donc on se dit mais comment la retrouver Et c'est parce qu'on veut la retrouver qu'on fait un chemin de sagesse. C'est capital. Ça veut dire qu'au fond, c'est parce qu'on a déjà goûté à l'amour qu'on a envie d'aimer davantage. C'est parce qu'on a déjà goûté à la joie qu'on veut retrouver la joie. C'est parce qu'on a déjà eu un bonheur qu'on veut que ce bonheur dure. Ce qui fait que, au fond, la joie, l'amour, le bonheur précèdent le travail, la vertu, l'effort, les exercices. Euh, oui, mais faisons attention quand même parce que si on dit parce c'est parce qu'on veut que ça dure, on veut l'obtenir, on pourrait croire que c'est aussi de l'ordre de l'avoir, alors que. Ce n'est évidemment pas de l'ordre de l'avoir. Non, non, quand je dis l'obtenir, oui. le bonheur, ce n'est pas de l'ordre de l'avoir. Voilà, c'est un état d'être. Voilà, il ne faudrait pas penser que c'est la même chose que ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir cette spirale insatiable. Euh, non, mais je pense que nos ont compris que, quoi que dans l'ordre de l'être, euh, l'insatiable n'est pas un problème. Mmh. C'est-à-dire, dans l'ordre de l'être, euh, le fait d'aller vers des joies infinies euh, ne pose pas problème. Euh, et que le, donc là effectivement euh, autant le monde est fini les objets sont limités et, et ne peuvent satisfaire un, un besoin permanent de consommer et finalement autant euh, on sera jamais trop joyeux ou trop heureux <laughs> ou trop aimant c'est quelque chose qu'on peut creuser infiniment on peut aller tout, vers toujours plus de joie ce que Spinoza explique très bien en disant au fond on va de la joie à la félicité et en attendant la béatitude euh, donc tout ça euh, et c'est simplement un approfondissement euh, d'un même chemin qui est celui d'aller dans la profondeur infinie de notre esprit. Euh, alors que, généralement, on est simplement dans le corps et dans la satisfaction de ce qui fait du bien à notre corps. Euh, et donc, là-dessus, euh, je dirais que les, les, les biens sont finis et, et surtout, euh, on est sans cesse dans une insatisfaction qui fait qu'il faut qu'on change. Euh, il faut changer, il faut renouveler, et donc on a besoin en, en permanence d'avoir de nouveaux objets. On se lasse euh, si on est dans... alors, alors qu'on peut avoir. Alors il faut, faut pas non plus radicaliser les choses. Voilà. <laughs> dans l'ordre de l'avoir, on peut avoir aussi une stabilité, c'est-à-dire qu'on peut avoir un beau tableau qui, parce qu'il touche par la beauté, une dimension de l'être, de l'esprit on peut être heureux avec un seul tableau toute sa vie alors qu'on peut euh, si on n'a pas un beau tableau chercher en racheter en permanence des tableaux parce qu'au fond on n'a pas été touché en profondeur par un seul tableau euh, et on peut appliquer ça à tout oui mais ça je pourrais vous, vous, vous rétorquer que un beau tableau on peut aussi on n'a pas besoin de le posséder pour en jouir bien sûr euh, mais je comprends euh, qu'un amateur d'art puisse avoir une jouissance, un plaisir infini à contempler un beau tableau. On n'est pas obligé de le posséder, bien entendu. Euh, mais au fond, on... parce que dès qu'on possède, il me semble que on entre dans, un, dans une logique euh, qui est quand même une, une, une logique mercantile. C'est vrai que vous voulez euh, dire consumériste. Et consumériste, oui. Et puis et puis l'idée que c'est au fond du fond, si on y réfléchit, c'est très choquant qu'il y ait un marché de l'art. Parce que l'art, vous, vous l'avez dit euh, euh, il y a quelques, quelques temps, je ne sais plus au, lors de, quel, de laquelle de nos discussions, la euh, vous nous avez bien dit que l'art c'était la gratuité, puisque c'est le lieu où se manifeste le beau. C'est le lieu où se manifeste le vrai, éventuellement. Et c'est quelque chose qui nous amène à nous dépasser nous-mêmes. Donc il y a une difficulté là euh, de faire l'interaction... Entre ce monde dans lequel nous vivons, qui est quand même mené par le paradigme du capitalisme, désormais euh, triomphant dans le monde entier. Oui, surtout aujourd'hui. Et, oui, et, et donc il y a vraiment une difficulté là. Comment, euh, comment être sage dans l'être, euh, en vivant dans un monde qui sans cesse nous ramène à l'avoir et nous nous entraîne, qu'on le veuille ou pas, dans cette dans cette tourmente. C'est vrai qu'on est, qu est conditionné par ça. Et la publicité nous conditionne. Les... Quels sont les grands prêtres aujourd'hui On nous dit il y a plus de religion. Mais si, il y a une religion qui est la religion de l'argent. Et les grands prêtres, c'est les publicitaires. Et les publicitaires ne cessent de nous dire à travers tous leurs messages. Que on ne sera pas heureux ou reconnu si on n'a pas tel objet. Et les enfants sont très sensibles à ça. Les adolescents sont très sensibles à ça. Euh, S'ils n'ont pas telle marque de basket, tel jeu qu'ont leurs copains, ils sont très malheureux. Parce qu'ils voient partout à la publicité que c'est ça que tout le monde a, qu'il faut avoir, etc. Donc on est conditionné par ces grands prêtres de la publicité. Et d'ailleurs, j'avais été. Euh, euh, vraiment, euh, à la fois pas étonné et stupéfait de cette fameuse phrase de Jacques Segala qui nous avait expliqué que si on n'avait pas une Rolex à 50 ans, c'est qu'on avait raté sa vie. Qui vous a inspiré d'ailleurs un dialogue entre Segala. Et... Qui m'avait inspiré dans la fin de la. Oui, je crois que c'est dans l'épilogue de mon Absolument. livre Socrate-Jésus-Boudin, un dialogue entre Socrate et. et pas Segala, mais Segalus. Segalus, oui. <laughs> voilà. bien sûr. Euh, parce on l'avait je... reconnu. <rire> <rire> parce qu'effectivement, je trouve ça extraordinaire. C'est un symptôme. Cette phrase est un symptôme de notre époque où on met la réussite d'une vie sur l'acquisition d'un objet luxueux c'est formidable, ça, ça veut dire vraiment euh, qu'on est complètement dans l'extériorité, dans l'avoir et qu'on oublie que la réussite, ou enfin d'oublier parce que je pense qu'il n'est pas aussi dupe que ça et qu'à titre personnel il doit savoir, comme tout le monde, que ce qui fait la réussite d'une vie, c'est beaucoup plus la qualité de nos amitiés, de nos relations, de nos amours de s'épanouir dans son travail, même si on peut pas se payer une Rolex, donc ça je pense que c'est quelque chose qu'on expérimente tous, mais en même temps Effectivement, il y a un conditionnement et qui pour moi joue surtout sur les jeunes. Je pense que les nouvelles générations sont, sont quand même très frustrées parce qu'ils ont le sentiment... Qu'on leur vante en permanence un tas d'objets qu'ils ne pourront jamais acquérir parce qu'on est dans une crise économique et donc il y a une contradiction entre la publicité qui nous pousse à avoir toute une série d'objets pour soi-disant être heureux et d'un autre côté le fait que les jeunes vont se retrouver avec des petits boulots, au chômage et des difficultés financières et donc ça crée une immense frustration, une forme de désespérance. C'est pour ça qu'il est très très important d'éduquer les jeunes vers autre chose, vers d'autres valeurs en leur montrant que ce pas les objets, les marques qui vont les rendre heureux. Alors, justement, c'est à ça que je voulais venir. C'est-à-dire, euh, vous nous avez dit, au, au niveau personnel, une crise est une occasion de, remettre, de se remettre en question et de reconsidérer sa vie sous un angle nouveau. Euh, là, on, on ne cesse de nous dire que nous sommes dans une crise qui, qui dure d'ailleurs depuis un, un certain temps. Et Mais, ça va continuer, je peux vous le dire. Évidemment. Sans, <laughs> sans et donc, de et voilà. Et l'idée, c'est comment contribuer à changer de paradigme. Parce qu'en réalité, ce qui est fondamentalement en crise, ce sont nos paradigmes. Totalement. Je pense que là, alors là, ça fait tout à fait référence à un autre travail que j'ai fait qui est au-delà de ces, cette sagesse personnelle. Euh, C'est un ouvrage qui s'appelle La guérison du monde dans lequel j'ai essayé d'appliquer cette sagesse au collectif. C'est-à-dire de me dire au fond comment dans le monde d'aujourd'hui est-ce qu'on peut euh, changer de logique en m'inspirant aussi des travaux d'Edgar Morin, de Pierre Rabhi, etc., de tout un certain nombre d'amis philosophes qui réfléchissent à ça depuis longtemps. Comment est-ce qu'on peut changer de paradigme pour effectivement sortir de ces logiques consuméristes qui détruisent à la fois l'individu, les sociétés et la planète? Donc on est devant une, une triple crise. Dans tous les domaines, euh, on est, on est destructeur dans ces logiques euh, consuméristes dans lesquelles on pille totalement la planète et on fait croire aux individus qu'ils seront heureux en consommant toujours plus, ce qui d'ailleurs ne devient plus possible. Donc là-dessus, euh, je crois que le changement de logique le plus profond qu'on peut opérer, c'est passer de la quantité à la qualité. Euh, on est dans le règne de la quantité, comme disait René, René Guénon. On est dans le règne de la quantité. Tout est la valeur suprême, c'est le rendement, la rentabilité le profit, l'efficacité, euh, la compétition. Et ça est destructeur. Il faut changer de logique, c'est-à-dire redécouvrir la qualité. Et on est beaucoup plus heureux dans la qualité que dans la quantité. Et donc la qualité, c'est la qualité de vie, la qualité d'être, la qualité des relations amicales. Qu'est-ce qui vaut mieux Avoir trois amis qui vous donne beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, que parce que vous prenez le temps de les voir, ou avoir 2000 amis sur Facebook que vous rencontrez jamais. Qu'est-ce qui vaut mieux? Alors, vous allez me dire, là, on n'empêche pas l'autre, mais bon, le temps qu'on passe à avoir, à échanger ah, avec ses amis, à traiter des, 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 des voilà, c'est du temps qu'on n'a pas de disponible pour développer des vraies amitiés. Donc, on est dans le règne de la quantité, et la quantité est destructeur à tous les niveaux. C'est cette logique un peu capitalistique qui, a, qui est en train d'entraîner la vie entière des individus. Faut en sortir. Euh, et il faut aller vers euh, mais parce qu'on découvre soi-même euh, qu'on n'est pas heureux là-dedans, que c'est une impasse pour nos sociétés, euh, vers il faut passer du toujours plus au mieux-être et ça c'est donc des choix d'aller vers ce que Pierre Rabhi appelle une sobriété heureuse c'est des choix de vie dans lesquels on renonce à certains conforts, on renonce à, à certaines acquisitions, on renonce à des logiques de consommation euh, dans lesquelles on cherche davantage à avoir une qualité de vie euh, qu'à posséder toujours plus ça me fait penser à à une toute petite anecdote qui est de, donc dans le petit prince un tout petit livre justement qui brille par sa qualité plus que par son nombre de pages peut-être en tout cas euh, juste une toute petite anecdote bonjour dit le petit prince bonjour dit le marchand c'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif on en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire pourquoi vends tu ça dit le petit prince c'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. Et que fait-on de ces 53 minutes bah, On en fait ce qu'on veut. Moi, dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. C'est un très beau texte et j'ai envie de vous raconter une petite, un petit conte indien. Euh, qui est sur le même thème, c'est un père et, et son fils, euh, donc un homme riche et son fils qui vont euh, sur une colline, et une fois qu'ils sont au haut de la colline, l'homme riche euh, montre à son fils un magnifique paysage, et lui dit, regarde mon fils, un jour, tout ça sera à toi. Et puis, il redescend de la colline, et le fils est assez tourmenté, se dit, oui, mais ce sera à moi, mais si mon père meurt, mais si mes frères ne contestent pas l'héritage, enfin, il est dans le souci de l'avoir. Et puis, dix minutes après, arrive un père pauvre avec son fils. Il monte en haut de la colline et le père pauvre dit à son fils, Regarde. Et le fils est simplement dans la joie de la contemplation, sans avoir tous les soucis de l'acquisition, de la possession, du désir, de l'insatisfaction. Voilà, je trouve qu'on peut jouir euh, de la beauté du monde, de la beauté de la vie. En ayant très peu de possessions. Finalement, il y a tellement de, de choses belles qui nous sont accessibles que souvent on se les voit pas. Euh, on ne prend pas le temps de les voir parce qu'on consacre beaucoup trop d'énergie, toute notre énergie, à essayer de gagner plus d'argent pour essayer d'avoir un confort matériel. Et donc, des fois, c'est justifié jusqu'à un certain point. Et arrive un degré, faut se dire, mais au fond, quelles sont mes priorités Est-ce que je pourrais pas peut-être faire des choix de vie dans lesquels... Euh, je vais aller vers une sobriété plus grande, renoncer à certains objets euh, pour avoir plus de temps pour écouter de la musique, pour regarder un paysage, pour me promener. Si on peut faire ces choix-là, tout le monde ne peut pas. Il faut déjà avoir ses oui, besoins ça, oui, essentiels, il faut avoir mmh. un toit, faut avoir... Bien un... sûr. Et, et c'est devenu de plus en encore, plus difficile de nos jours. Et encore, mmh. j'ai un SDF en bas de chez moi que je connais bien parce que ça fait des années qu'il est là, euh, et lui me dit... Euh, que il est beaucoup plus heureux euh, depuis qu'il est là dans la rue en totale liberté que quand il était avant dans un système où il se battait à fond pour essayer de gagner un peu d'argent et qu'il n'était pas heureux dans cette vie-là. Alors je ne dis pas que c'est un modèle de vie, mais lui c'est un sage, hein. je peux vous dire qu'il a une profondeur, il est tout le temps souriant, donc on rencontre des gens qui n'ont rien et qui au fond ont une richesse intérieure. Et ils peuvent la nourrir avec autre chose. Il a toujours des bouquins extraordinaires. Donc, on peut la nourrir avec autre chose que simplement, effectivement, le confort matériel. Oui, mais c'est vrai que ce sont des exceptions. C'est vrai qu'on on parlait de ce paradigme Mais C'est bien, de, le les ces ces bien ou... de les rappeler ces exceptions, parce que sinon, on est toujours dans l'idée, c'est dramatique. Euh, si on est pauvre, c'est dramatique. Euh, suffit de voyager pour se rendre compte que vous avez un tas de gens qui vivent avec une très grande simplicité, qui n'ont même pas l'eau courante, qui n'ont pas l'électricité, etc., qui ne sont pas malheureux du tout. Euh, moi, je voyage souvent en Inde, au Maroc, etc., et dans tous ces pays-là, vous voyez un tas de gens euh, qui sont heureux pour d'autres raisons que simplement le confort matériel. Alors, tant mieux que si on a du confort matériel, tant mieux, je ne vais pas cracher dessus, j'en profite comme tout le monde, mais ce n'est pas l'indispensable du bonheur. Oui, c'est un accessoire en plus. Bah disons que ce n'est pas un accessoire, c'est quelque chose qui nous facilite le quotidien, mmh. qui nous donne, euh, je dirais, euh, voilà qui nous enlève des tâches pénibles, qui nous apporte, euh, qui peuvent nous faire gagner du temps, etc. Mais on n'en a pas absolument besoin pour être heureux. Euh, on a besoin d'un minimum. Euh, mais je suis frappé de voir que des fois des êtres qui sont à la limite du minimum, je crois qu'il faut manger à sa faim, boire à sa faim, mais des êtres qui sont à la limite du minimum peuvent être très heureux. C'est ça qui me frappe dans certains voyages, dans certaines rencontres. Ce qui montre bien, euh, je dis pas que je serais capable d'y arriver, euh, mais ce qui montre bien que l'être humain. Peut se contenter de très peu de choses pour être heureux. Ce que nous rappelaient les cyniques. Euh, Diogène, qui vivait dans un tonneau euh, et qui était euh, rempli de bonheur, euh, et qui disait euh, à Alexandre, à Alexandre euh, au toit de, au bon toi de mon soleil. Le soleil suffisait à son bonheur. C'était Chemin de Sagesse avec Frédéric Lenoir et Lélie Anbar. Merci Frédéric Lenoir d'avoir continué avec nous ce cheminement vers la sagesse. Je rappelle que pour justement concernant ces sujets autour de la crise, de la guérison du monde, de la manière dont on peut vivre dans une plus grande sobriété et néanmoins aussi sinon plus heureux, vous avez écrit un livre donc qui s'intitule « La guérison du monde » qui est publié chez Fayard, dans lequel vous développez de manière… Très exhaustive, je dirais, toutes ces questions. Et donc, je renvoie, je renvoie nos auditeurs à cet ouvrage. Et en attendant, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.